Nous sommes innombrables ce soir. Autour de nous, les figures lumineuses de l'Église et de la cité, les ducs de Bourgogne, Pierre de Roubaix, Charles Quint, les archiducs Albert et Isabelle, Louis le Grand, Jean Barre, ça va être long, le chevalier de Bonneval, les Pierres 1 à 4, Marguerite de l'Épaule, Urbain Dominique Viernotte, Louis Urbain Viernotte de l'Ensa-Prouvot, la révérende mère Béatrix Prouvot, Catherine Françoise et les manufactures royales du Dauphin, Louis de Brigode, Émilie Pellapra, les Chimay, les Hautes et Basses Lys, les Henri 1 à 5, les Charles 1 à bien plus, les Amédée 1 à 7, les Albert 1 à 6, les Van Larenberg, Charles Langlard, les Vateau de Lille, Rissner, Eugène Delacroix, Lucien Bonaparte, la fuite à Gand, Jacques-Louis David, Victor Mottet, le duc d'Aumale, Fragonard, l'écho des sept châteaux, la merveilleuse Joséphine Prouvot, les trois cousins poètes, César Franck et Bureau d'Engin, Ferdinand Desseps, le prodigieux légataire Lacaze, la Villa d'Est, le général de la Bédoyère, Charles-Thierry Denquin, les satins de Chine, au cœur de la Chine, la Chaconne de Vitali, Sainte-Félicité, Saint-Thomas d'Aquin, Pie XII, Monseigneur Marcel Lefebvre, Jean Prouvot, la liberté de blâmer, les matchs de Paris, Cocteau, Saint-Ex, Marie-Claire, Jean d'Ormesson, Denis de la Patelière, la Castafiore, Maurice Druon, les Mazurelles, les deux Vavrins, Marie et Roland Bonaparte, l'élégantissime 22, Guylaine de Polignac, les Portales, la Pinta, Picasso, Chagall, les trésors du Septentrion et les palais de Bourgogne. Honorons les innombrables vies consacrées, les innombrables officiers, les toujours responsables de la cité et du bien commun, les chevaucheurs des cinq continents, les constants bâtisseurs, les collectionneurs, les mécènes, entre activisme et contemplation. Honorons en bref les chefs. Un jour, le 15 août 2008, excédés par les médiocres, les jaloux, les arrivistes et autres usurpateurs, je commençais toutes affaires cessantes, des recherches qui puissent me faire découvrir et comprendre mes racines à travers l'image qu'en apportait notamment mon grand-père. Il s'agit du site thierryprouvot.com. Alors j'ai pu découvrir, instant après instant, la beauté du tracé des parcs et des demeures patriciennes à la bourguignonne, à la flamande, à la française héritée de mes pères. J'ai pu distinguer sous les mauvaises herbes et la psychédélie des snobismes, la beauté des chaînes tutélaires que sont les grands ancêtres, ces taupières qui ne demandaient qu'à retrouver leur sculpteur, la rectitude des allées de dévouement, de consécration, d'inscription dans la cité, de création, ou les charmes plus artistes de l'art de vivre en société. Ce furent une page, 100 pages, 1000 pages, jusqu'à 8800 pages qui sont aujourd'hui de magnifiques ouvrages imprimés. Et alors, mes ancêtres réapparurent un à un, me présentant leurs illustrations et donc leurs apports à Dieu et à la cité, ceci gommant leurs défauts. Ils se rassemblèrent toujours plus nombreux, coopérant avec moi, m'apportant leur amour, leur fidélité et leurs œuvres, jusqu'à rassembler ce soir l'heureuse famille. Ces œuvres, vous les avez merveilleusement préfacées, cher Pierre de Bismont, d'instinct, vous le si exigeant arbitre de société. Je les ai dédiés à mon grand-père Charles Prouvot Mazurel, chevalier et capitaine. On disait de lui, doué des plus beaux dons de l'intelligence et du cœur, il eut toutes les qualités du véritable chef. C'était un animateur et un entraîneur d'hommes, tenace, énergique et bon. Sa bonté et sa charité étaient légendaires. Lui, l'impétueux, le rapide, le bouillant, il ne suit pas, il attire. Mais c'est aussi à vos parents, Anne et Albert Prouvot, et donc à vous, cher Guylain et chère Nathalie, qui transmettez tout cet héritage, que ce grand œuvre est dédié. Vous avez tous remarqué, mes formulaires d'invitation sont longs et impétueux comme des fleuves. J'y ai très largement exposé votre parcours et celui de vos parents, mais vous allez, brillamment comme toujours, nous y conduire, nous surprendre et nous enchanter. Merci Guylain pour ce très passionnant témoignage et aussi ce petit mot qui m'a été adressé qui me touche évidemment.
C'est vrai que l'industrie du Nord et tout autre ont disparu, mais je pense que ces familles du Nord qui ont été modelées par les siècles, et c'est un petit peu le constat que je fais à travers mes livres, ces familles du Nord doivent leur pérennité et leur force, doivent tout à l'Église, à la tradition. Et ça, c'est une chose majeure que moi-même, je n'arrive même pas à intégrer tellement c'est quelque chose de fort. Toute cette région a été baignée par la contre-réforme catholique des Habsbourg, des rois d'Espagne, etc. Et a donc été protégée de certaines caractéristiques hérétiques de la religion et a pu prospérer jusqu'à, pardonnez-moi de faire référence, je m'honore de faire cette référence, jusqu'au combat de Mgr Lefebvre qui a préservé une petite partie de la chrétienté des hérésies actuelles du Concile Vatican II. Voilà, donc c'est une chose forte, il y a des choses très fortes dans cette région, et si l'industrie n'existe pas, ces familles demeurent d'une façon ou d'une autre, et tout ça est dans les gènes et s'exprime différemment. Je pense que c'est ça qu'il faut, observer. Donc c'est quelque chose d'absolument passionnant. Et ici, tous les descendants Prouveau, etc., je pense par exemple à nos cousins Droulès, Mazurel, etc., en sont l'expression avec des trésors immatériels que je suis heureux de d'écrire et d'inscrire. Donc merci beaucoup Guylain, c'était important de dire toutes ces choses. Merci.